Je suis Michel Houplin, j'expose en ce moment dans la chapelle différents travaux que j'ai faits lors de certains voyages en traversant l'Europe. Mais en fait, je pars de Carnet et après, je travaille en atelier. Ma femme est suédoise, donc je me promène un peu en Scandinavie, pas mal, mais je vais aussi en Espagne, Italie, enfin un peu partout. J'adore me promener. On peut voir un petit peu au niveau du travail d'études des choses dans les vitrines où il y a des carnets de préparation. Donc là, il y a pas mal d'humains, mais bon, il y a aussi un peu de paysage là. Mais il n'y a pas que ça. Parce que je travaille aussi beaucoup autour des thèmes bibliques, des éléments. En fait, c'est l'homme qui m'intéresse. Donc je travaille la présence humaine, l'homme, c'est son histoire, ses drames, tout l'ensemble de ce qui peut être le panégyrique de l'humain. Par rapport à la chapelle ici, c'était son architecture, qui est quand même une architecture qu'il ne faut pas, je dirais, abîmer par un décalage entre ce que l'on va présenter sur les murs et les pièces. Donc mon idée, c'était quand même de regarder, le fait qu'il y avait une coloration extrêmement chaude à cause de la brique, plus le fait que ce soit relativement clair. Enfin, c'est ni clair ni foncé, mais ça dépend de l'orientation de la lumière. Mais il fallait faire ressortir les tableaux parce que sinon il faut les isoler à cause du graphisme des briques. Donc pour les isoler, le mieux c'est d'avoir quelque chose d'assez sombre par rapport au mur, ce qui tombe assez bien parce qu'en général j'aime beaucoup les fins de journée, les débuts de journée, les ambiances un peu sombres, voilà, au niveau du paysage. Alors je travaille aussi la sculpture, donc je fais du bronze, je fais aussi de la gravure, mais c'est par période, tout ça c'est par période. Il y a des moments où je me sens plus à l'aise avec la terre, la cire, ou même des fois l'acier, le bois, le papier, la toile. Ça dépend en fait des moments. Et puis quand ça marche pas avec une chose pendant plusieurs jours, si je reste un peu sec devant un tableau, je me dis bon, il va falloir que je change un petit peu de métier, donc je reprends de la terre et je retravaille là-dessus. Voilà. Non, ça m'arrive beaucoup de repeindre. Je repeins sur une toile. Au bout d'un moment, quand je peins quelques toiles, des fois quand je repasse devant, je me dis tout ce travail m'a servi seulement à trouver une idée et pas autre chose. Donc je peux entièrement gratter la toile, repeindre dessus, la retourner, la découper en morceaux. Rien ne me dérange. Interroger sa nature. Être homme en son environnement. Lire en soi la trace. Manger la terre pour en connaître la saveur. Marcher dans le paysage et revivre dans l'atelier. À la relecture des carnets faits durant le voyage, la déambulation. Écraser le pigment sur la toile. Le sentiment de plénitude de cet instant que l'on voudrait retenir un jour. Par l'illusion, faire entendre le bruit de son ciel, de son sable, de l'orage qui venait ou de la nuit prochaine, du goût du vent, du sable dans la bouche, de l'éphémère de nos vies, et en retenir la saveur pour un moment encore. En fait, il n'y a pas de toile réussie, il n'y a que des toiles que l'on n'arrive pas à finir. Donc elles sont là, on se dit, elles pourraient peut-être faire l'affaire, voyez-vous. Donc allez, on s'arrête, un peu parce qu'on a encore perdu une bataille. J'ai pas envie de tout maîtriser, j'ai envie d'essayer, je pense qu'un tableau, quand on se dit déjà que l'on l'a déjà fini dans la tête, il est déjà foutu. Parce qu'il n'y a pas d'aventure. L'intérêt d'un tableau, c'est quand même que
commence à travailler dessus, qu'il se passe quelque chose, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait, on va aller dans un autre sens. Et là, on a des découvertes qu'on va penser quand même mettre en place, et quand on va les avoir mis en place, on pourra s'en servir pour autre chose, ou peut-être pas d'ailleurs. Mais il y a une découverte continuelle. L'intérêt, finalement, dans la vie, c'est quand même de vivre, donc de s'amuser, de se promener, de découvrir, de faire des choses, d'avoir, de prendre des risques. Sans risque, ça vaut pas tellement la peine.